notre manière d'imaginer le cinéma qui vient. Et nous disons révolution parce que l'état du monde est tel que sans révolution, bon, peut-être que dans quelques temps, toute trace de notre humanité aura disparu. Les institutions qui nous permettent d'exister en nous reconnaissant ou non comme humains, en nous reconnaissant ou non comme humains, n'ont pas été inventées le jour de notre naissance. Ils sont le produit d'un long processus de négociations historiques remontant à quelques milliers d'années. C'est un peu un film qui s'est développé, qui s'est déroulé comme une pellicule se déroule au fur et à mesure de la vie. Par exemple, toute cette cérémonie incroyable qu'il y a à la fin au Brésil. Ça a été une telle intensité au moment du tournage qu'on n'était pas prêt du tout à ressortir ces roches. C'est-à-dire qu'on a ressorti un certain nombre de roches parce qu'on s'est senti prêt aussi à les faire circuler dans un film où elles côtoieraient d'autres fragments de films et que là, ça allait se mettre ensemble de façon presque dans une évidence. Le nègre est une bête, le nègre est mauvais, il est très méchant, le nègre est laid. Là, assis comme ça, l'un à côté de l'autre, on avait fait connaissance pendant un film de Bresson, Le Diable probablement. Et j'ai senti ces vibrations. J'ai senti que là, il y avait une sensibilité. Des yeux comme ça, je ne m'en fatiguerai jamais. Parce qu'ils sont remplis d'un monde qui me restera secret jusqu'à la fin. Moi, c'est la même chose. J'étais là. Collaboration, c'était de partir là-bas pour tourner un long métrage qui s'appelle La Nuit Bengali. Et ce premier long métrage tourné à Calcutta, cette ville est devenue un peu la matrice de notre travail, quoi. Je pense aujourd'hui encore, on travaille comme ça. C'est effectivement la première fois qu'on faisait du cinéma ensemble, même si on était très divisés, mais notre cinéma a pris racine à l'étranger. Comment vous vous appelez ? Bruno Komadowski, polonais. Ok, c'est bon. Ok. Bah, le coup des clés, c'est bidon. Bon, il n'y a pas de traces de coups, t'as vu ? Tu laisses tomber. Bon, il cherche Shadow, c'est tout. Après, il ira s'effondrer dans un coin, il n'emmerde personne. Des parias, effectivement, on a découvert et on a commencé à travailler une méthode qui est une méthode plutôt d'immersion dans des communautés qui parfois nous sont inconnues et qu'on va à la rencontre des gens. C'est-à-dire que se construit le film et le scénario se construit à partir de ces rencontres. Et effectivement, paria était le début de ce travail. Et un type est entré, et le charme est tombé, arrêtant le flipper. Ses yeux noirs ont lancé de l'agressivité sur le pauvre jukebox. Faire un film, c'est comme creuser un chemin à travers quelque chose, à travers la vie. Donc on a commencé en filmant des personnes dans la rue, en travaillant avec eux. Ça se passe le 31 décembre 1999, donc sur le passage du millénaire. Et ce passage du millénaire a ouvert vers un autre projet qui est la blessure, avec l'arrivée qu'on voyait de plus en plus dans les rues et dans les lieux où on tournait paria, de plus en plus de personnes venant d'Afrique
Et donc, c'est des personnes qui étaient en demande d'asile. On était dans un travail de plan fixe, un travail d'accueil, comme si le cadre était un espace d'accueil pour celui qu'on était en train de filmer. Pour la question humaine, c'est arrivé, mais ça ne pouvait pas être qui que ce soit d'autre que Mathieu. Et on s'est rencontrés. Et c'était une rencontre quasi amoureuse avec Mathieu. La musique est pour lui une épreuve insurmontable. Il dit ressentir de la douleur. Et l'âme tranchante lui traversait le corps. Ce sont des choses qu'il dit. Mais ce qui m'effraie, c'est son regard. Il me semble qu'il ne s'appartient plus. Je voudrais vous montrer quelque chose. Il était clair qu'il y avait trois générations d'acteurs. La génération des personnages, donc, où assez rapidement, il y a eu Jean-Pierre Calfon pour Karl Rose. Je suis mandaté par la maison mère pour me saisir d'un problème préoccupant. C'est assez délicat. Michael Lonsdal. On travaillait avec des acteurs qui incarnaient quelque chose comme ça, dont certains avaient été un peu oubliés. Michael, ça faisait un moment qu'il ne tournait plus. Du coup, c'était beau de les convoquer avec leur singularité absolue. Marie Neumann ? Oui, c'est moi. C'est à moi que vous avez écrit. C'est vous ? Il y a une lâcheté à envoyer des lettres sans les signer, non ? Pourquoi êtes-vous venu me voir ? Votre dernière lettre était particulièrement insultante. Leur audace d'acteurs, parce que ce ne sont pas du tout des acteurs psychologiques, c'est des acteurs, voilà, c'est des rencontres dans la vie très fortes. On a même commencé à répéter assez vite. Ils avaient envie de former une troupe dès le départ. Et nous, on était là pour pouvoir filmer ce qui se passait entre les uns les autres. On reçoit un coup de fil de Christophe Ruggia, qui était président de la SRF, et qui nous propose de partir à Calais, découvrir la jungle de Calais avec d'autres dans le cadre de l'appel de Calais. Et dès qu'on est arrivé, on a senti qu'il se passait quelque chose qui dépassait de loin tout ce qu'il nous avait raconté. On avait vraiment ce sentiment de quelque chose qui se soulevait collectivement avec des visages, je crois, les plus accueillants qu'on ait jamais vus. I can't try that. I'm shy. I think my voice is not good. It's not beautiful. But I just will learn. Ready? Il y avait quelque chose de l'ordre de beaucoup d'une énergie foisonnante, d'inventivité, de gestes. Et donc on s'est dit, c'est pas possible. La rumeur qu'on entend de la destruction, c'est quelque chose qui ne peut pas arriver. Était complètement l'actualité de tous les jours, ce qui se passait avec les menaces de destruction, avec la police, avec les gazages, avec
les gens qui essayaient de partir en Angleterre, ceux qui arrivaient d'ailleurs, toutes les langues qui circulaient et tout ça. Mais en même temps, on avait le sentiment que ça venait de très loin et que c'était quasiment comme une sorte d'épisode ignoré de l'Odyssée d'Homère. Devenus solidaires de leur propre temps. On est devenus solidaires de leur de ce qui était en train de se passer aussi pour eux. Et on faisait le film avec eux. Et on faisait le film avec eux. On n'avait pas du tout. Le film n'existe pas sans eux. Ils ont été des collaborateurs absolument incroyables. Like he was giving up the holy game of poker. While he talks his dreams to sleep, you notice there's a highway that is curling up like smoke above his shoulder. It's curling just like smoke above his shoulder. You tell him to come in, sit down, but something makes you turn around. Il n'y a pas de frontière entre nos films. Il n'y a pas de début, de milieu, de fin. Il y a des génériques, il y a des dates de sortie, tout ça, mais il faut penser qu'il n'y a aucune hiérarchie et que tout circule entre tout. Des personnages d'un film se retrouvent dans un autre, changent de genre, de pays, de langue. L'idée centrale de l'exposition, c'est que tout circule en même temps. Je dirais que c'est une exploration d'un certain nombre de films, de carnets, de thèmes, de sujets, de personnages, de photographies, et qu'on voit qu'il y a là un monde archipélique, je dirais. Tout communique, il n'y a aucune frontière. Les films s'entrechoquent, les films glissent, s'enlacent les uns les autres. Comme dit Elisabeth, on rentre dans quelque chose qui est une œuvre en elle-même, peut-être. Donc voilà, nous disons révolution, c'est un désir comme ça, un besoin absolument vital, quasiment, de recommencer le cinéma aujourd'hui. Mon chéri, c'est la bataille.